Les clients ont l'air satisfaits, François-Xavier Pietri. Pourtant, ce Black Friday ne profite pas à tout le monde de la même manière. Ah bah, les grands gagnants, à l'évidence, c'est tout le e-commerce. Pour eux, c'est tout bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme concentration de communication en quelques jours, quatre jours en fait. Vous savez, le Black Friday, ça commence aujourd'hui, ça se termine lundi prochain avec le Cyber Monday. Voilà, donc la fédération du e-commerce attend un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros dans ces quatre jours. Les consommateurs, évidemment, ils sont ravis. On va faire des bonnes affaires. Alors attention quand même. Aux arnaques, le Black Friday n'est pas encadré comme les soldes. Ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement mettre en vente des produits qui ont été fabriqués pour l'occasion. On peut aussi annoncer des rabais qui ne sont pas tout à fait vrais, donc il faut être vigilant. Et puis alors après, les commerces traditionnels, pour eux, c'est également une aubaine. Moins sensible que le e-commerce parce que c'est moins concentré, c'est plus difficile pour eux de faire des opérations sur un temps très court comme celui-là. Mais bon, c'est bon pour le business. Et puis je rappelle juste que l'an dernier, à la même époque, on était au début de la crise des Gilets jaunes, on se posait des questions sur les ventes de Noël. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les commerçants.